Le redon sert à drainer en post-opératoire le liquide biologique résiduel dans la loge de la chirurgie mammaire, afin d'éviter l'accumulation de ce liquide. Il prévient l'apparition d'hématomes ou d'infections et favorise la cicatrisation de la plaie chirurgicale interne. Pour cela, quelques conseils pour un retour à domicile serein avec votre redon. Évitez de tirer sur la tubulure du redon. Pour cela, nous vous fournirons une pochette bandoulière dans laquelle le glisser. Surveillez le bon positionnement du soufflet, signifiant la présence du vide et son bon fonctionnement. Surveillance quotidienne par votre infirmière libérale du redon et de son pansement, ainsi que la quantification du volume des 24 heures de votre redon. Les redons vous seront fournis par le CGFL pour le retour à domicile. Vous pourrez prendre une douche avec votre redon, veillez simplement à vous organiser avec votre infirmière libérale pour les soins. Et bien sûr, en cas d'anomalie, n'hésitez pas à nous contacter.